Rétro Classique n'arrête pas de grandir. La plus grande exposition de voitures anciennes d'Europe augmente encore une fois de taille en 2017. 5000 m² supplémentaires font passer la surface d'exposition à 125 000 m². Et en plus, le nouveau pavillon 10 qui sera achevé en 2018 élargira encore le salon de 15 000 m². En 2016, à l'occasion de sa 16e édition, environ 90 000 visiteurs et plus de 800 journalistes du monde entier sont venus à Rétro Classique à Stuttgart. Ayant fait le déplacement à Stuttgart avec 3500 véhicules, plus de 1550 exposants ont montré une merveilleuse diversité. Des négociants de voitures de collection renommées des quatre coins d'Europe ont envoyé leur plus belle automobile à Stuttgart. Les collectionneurs privés se sont une nouvelle fois réjouis du vif intérêt porté à leur exemplaire depuis quelques années. Les spécialistes ont présenté des néoclassiques, les voitures de collection de demain. Très populaire est le grand marché des pièces où vous pouvez trouver beaucoup des pièces de rechange pour les rares classiques. Ce succès signifie aussi que le salon peut songer à une expansion. Rétro Classique essaime à Nuremberg et devient Rétro Classique Bavaria. L'édition inaugurale aura lieu du 9 au 11 décembre 2016. Le programme pour les visiteurs et les exposants des salons Rétro Classique est unique. La soirée Allianz Retro Night sera le point de rencontre des amateurs. Les clubs célèbrent aussi leur passion commune pour les voitures anciennes. Tous les yeux se tourneront vers la vente aux enchères de Classic Bid de la société Auktion und Markt AG de Wiesbaden. L'exposition internationale Rétro Classique excelle chaque année avec des expositions spéciales exceptionnelles de voitures sportives et de compétition ou des grandes marques inoubliées. Les préparatifs de Rétro Classique 2017 battent déjà leur plein. Le musée Panini de Modène, terre des moteurs, présentera à Stuttgart les plus beaux exemplaires. Des voitures d'époque enthousiasmantes de la collection privée Stangelini feront également le voyage à Stuttgart. La fascination du sport automobile prend vie avec l'exposition des bolides de Roland H, une légende des circuits. Un pavillon entier de rétro-classiques est de nouveau consacré aux Américaines qui ont la cote chaque année. Et tous ceux qui veulent savoir comment on voyageait autrefois visiteront la grande exposition des autobus. Rétro Classique marque traditionnellement le début de la saison pour tous les amis des voitures anciennes. En 2017, le salon aura lieu du 2 au 5 mars. L'année 2016 se termine sur Rétro Classique Bavaria du 9 au 11 décembre 2016. Nous espérons vous voir à Rétro Classique.